Salut tout le monde, c'est Monde de Jeu, comment allez-vous? Moi ça va super bien et aujourd'hui on est pour un petit test ou une découverte du multijoueur de Far Cry 3. Un jeu qui m'a fait juste rêver pendant une semaine, ou moins d'une semaine. Franchement, il m'a fait rêver ce jeu. Je vous jure qu'il y a vraiment des sensations de jeu qui est vraiment unique. C'est fluide, surtout super quoi. Juste pour préciser que je suis sur PC, et sur PC c'est encore plus immersif que sur les consoles. Donc voilà, c'est encore mieux que d'habitude. Et là nous allons sur le multijoueur que j'ai testé juste deux parties. J'ai fait deux parties, elle est plutôt sympa, il y a beaucoup de bugs en tout cas. Je pense qu'il va avoir des patchs dessus. Mais il y a beaucoup de bugs et on verra bien pour la suite. Donc allez, on va commencer, on va faire une partie, on va sélection c'est ça normalement. Double weekend, mélange, domination, match à mort par équipe. Allez, on fait ça. J'espère qu'on va pas commencer une manche déjà commencée. Sinon, j'ai testé, c'est vraiment très compliqué. Faut vraiment avoir une habitude. C'est sûr que c'est pas du Call of Duty. Il faut vraiment avoir l'habitude du viseur, bien viser correctement, tirer peut-être par un coup des fois pour avoir sa tête. Et il y a beaucoup de champions sur ce jeu et j'en ai vraiment pris plein la tronche. Mes guerriers. C'est un match à mort sur Patrie. Ici, oui. Nous devons prouver que nous ferons toujours plus de victimes chez eux qu'ils n'en feront chez nous. La jauge qui apparaît en haut de l'écran symbolise l'évolution du combat. Qu'elle vous soit favorable ou non. Je m'en fous, moi, des ciels, là. Est-ce qu'on peut créer une classe? Je sais pas si on peut créer notre propre classe, en fait. Je crois pas, hein. Je regarderai, mais voilà. Donc allez, on va commencer avec cette classe. Putain, c'est vraiment immersif. Il y a un gars qui veut qu'on l'aide là, mais je pense que je vais essayer de faire gaffe. Oh, on me tire dessus. Je l'ai eu, nickel. Il doit venir par là. On va essayer de les avoir là. Ouh là 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 là. Oui, il s'est fait allumer. J'en ai eu un, je suis mort par le deuxième. Là, je suis vraiment concentré, je suis désolé, mais je suis vraiment très beaucoup concentré. Sur ce qui se passe à l'écran. Donc je sais pas si je peux changer d'arme ou je peux créer. Je sais pas si on peut créer notre propre classe, mais normalement oui. Parce que je vois beaucoup qu'ils ont des snipers, voilà, des gros atouts. Après, comme je vous dis, hein, je m'y connais pas vraiment sur ce jeu. Donc après c'est la vie vite. Oh là là, il était sur le côté, je l'avais pas vu. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un jeu très compliqué. Après faut voir si ça vous plaît. Mais sinon c'est un peu comme du Call of, mais c'est... Bon, c'est pas trop du Call of quand même, hein. C'est un genre limite Call of Battlefield, vraiment immersif. J'ai vu des fois quelques vidéos qui disaient que franchement le multi était pas extra. Et moi je vais vous dire le contraire, franchement j'ai juste kiffé le multi, je l'ai vraiment kiffé. Et puis aussi l'histoire juste magique quoi. L'histoire elle est juste magique. C'est juste pour vous dire que franchement si vous voulez acheter un jeu qui coûte pas très très cher et que vous pouvez vous amuser dessus, c'est ce jeu, il est vraiment unique. Et si vous voulez l'acheter, achetez-le quoi. Parce que vous avez des jeux pas très... Il est pas très cher le jeu, il est à 40€ sur PC. Et sur Xbox, je vous avais fait un déballage de la Xbox là. On avait fait un déballage de la Xbox, j'ai fait le coffret et tout le bordel. On a tué un, magnifique. Il m'a touché je crois. On va essayer de se faire l'autre. Je l'ai eu. Il y en a un deuxième en plus. Un troisième. Tire dans la tête. On va essayer de l'avoir l'autre. On va se barrer de là. On va se barrer de là. Oulala, là là, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide en haut. Je vais essayer de les aider. Franchement, il est vraiment immersif ce jeu. Je vous le dis sincèrement. On ressent vraiment les actions, je vous jure que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup à être acheté. Après bien sûr si vous aimez pas trop les jeux libres et tout, c'est pas fait pour vous. Là y a personne, ils vont passer par derrière, je le sens trop. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je manque de munitions. Vite, 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 vite.
Oh là là, il savait où j'étais, je sais pas comment il a fait. Peut-être il a mis un marqueur ou un genre de truc comme ça, c'était assez bizarre. Je vais vous faire voir autre chose aussi. Quand vous faites tuer, en fait, votre coéquipier peut vous réanimer, en fait, très simplement en vous donnant la main. Je me suis fait encore... En fait, leur technique, eux, c'est de vous prendre par derrière à chaque fois. C'est assez bizarre, je sais pas si je peux vous faire montrer, je fais E et là j'attends mon coéquipier. Mais je vais pas le faire parce que là je sais que je vais mourir et il y a personne pour m'aider. On va essayer de les prendre par derrière, on va faire pareil, on va contourner. Mais bon, comme je vous dis à chaque fois c'est très compliqué ce jeu de jouer et comme parce que là c'est un petit peu comme le mode histoire. C'est... Ah bah je me suis fait maîtriser, vous voyez déjà la souris, j'ai pas trop l'habitude de l'ordinateur. Donc après voilà, respect à moi. Et donc voilà. On va y aller là. Je sais pas comment on jette une grenade en tout cas. J'aimerais bien tester. Je sais pas comment on fait pour balancer une grenade. On peut aussi se soigner. Mais ça prend un peu plus de temps que sur le mode histoire. Mais sinon, c'est tout autant immersif le jeu. Ah, il y a un type là-haut. Je sais pas si vous voyez. On peut courir à fond, on peut courir doucement aussi. Un mec est en train de camper. Bon bah ça arrive hein, les gens qui sont en train de camper. Ce jeu on pourrait pas dire trop que c'est des campeurs. On va dire plutôt que c'est des gens qui prennent je sais pas comment dire ça mais voilà. Et votre équipe a perdu hein. On se demandait pourquoi. Alors j'ai fini, je sais plus combien. Et là on peut voir les noms, vous voyez c'est vraiment stylé. Vous pouvez avoir des tatouages aussi grâce aux points, PC et tout. Ça c'est vraiment stylé. Maman. Oh lol. Ah trop lol franchement. Vraiment immersif, juste excellent. On va faire un retour. Voilà, je suis quitté la partie. Franchement vous voyez, faire des petits trucs à la fin c'est vraiment sympa. Comme je vous ai dit, ce jeu coûte pas vraiment cher. Sur Xbox c'est moins bien fait. Sur PS3 c'est encore moins bien fait. Mais bon, voilà, on n'en parlera pas plus. Sinon, voilà, super jeu. Là, je m'éclate sur PC. Sinon, sur PC, magnifique. C'est juste excellent. Donc, voilà, on verra bien de toute façon si je vous fais d'autres vidéos sur ce jeu. Je pense. Et aussi, il y a un let's play que je vais vous dire que bientôt, je vais vous le dire maintenant. Je vais faire un let's play qui va durer pas mal de temps. Et là, je vais pas le lâcher celui-là. Et je pense que je vais faire la première vidéo dessus. C'est un jeu qui est vraiment pas mal. Qui est sur PS3 et je vais pas lâcher ma chance et je vais être le premier à sortir cette putain de vidéo. Vous verrez c'est un let's play qui est vraiment pas mal sur PS3 que je vais faire. Il sort le jeu dans 5 ou 6 mois le jeu. Donc après à voir si vous le savez ce que c'est, mais franchement je vais le faire au plus vite et ça je vous promets que je vais vraiment faire le let's play sur ce jeu. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit, hein. Donc on a joué un petit peu au multijoueur, il est vraiment super, super nickel. Donc allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao à tous.